she holding out. She ain't giving to the needy, huh? You go downstairs and fall asleep. Yup, c'est la Starnet C2, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et alors pendant que je vous parle, je vais faire monter ça bien haut parce que il fait froid dans ce pays-là. Non, là on est dans un pays où il fait froid. C'est un truc de ouf ou pas? Genre, l'été il a duré 3 semaines et demie et après l'hiver, direct. Donc, avant de vous présenter la vidéo, je suis en train de me demander un truc. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait des rêves où elle tombait dans le vide, ou elle ou il tombait dans le vide? Chercher la définition de ses rêves, c'est quelque chose, hein. Si quelque chose. Donc, vidéo. Je me mange des trucs dans l'œil, c'est grave. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Verse. On va voir ce que ça va donner. J'avais regardé, je crois que j'avais fait une réaction sur le tout premier trailer, je suis pas sûr. Enfin bon, là on va voir ce que ça va donner dans tous les cas. Je suis pour ce Spider-Man là. J'attends de voir ce que Venom va donner. Alors, au moment où vous allez voir cette vidéo, je crois que Venom sera déjà sorti. Ouais. Au moment où vous voyez cette vidéo là, Venom est déjà sorti. Alors, du coup, bah, mettez en commentaire de cette vidéo là ce que vous avez pensé de Venom, clairement, parce que ça m'intéresse. En sachant qu'il faut savoir, c'est qu'avant la sortie du film, alors par contre, Sony, c'est incroyable. Sony, en tant que communication pour leur film, vraiment, genre, ils sont catastrophiques en fait. Sony, à chaque fois, dévoile genre des 30 secondes du film, mais genre, ils font ça tous les jours. Ils dévoilent 30 secondes du film, de scènes d'action en fait, et puis après, ils sortent le film, mais pourquoi faire en fait? Ça sert plus à rien. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Espérons que celui-là soit bien, je crois qu'il sort à Noël. Let's go! My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. Ouais. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again. Look, I'm a comic book, a cereal, I did a Christmas album and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore. Spider-Man swings in once a day, zip-zaps up in his little mask and answers to no one. I love you, Miles. Yeah, I know that. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Ladies and gentlemen, my name is Miles Morales. Brooklyn! I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You ever hear of the Super Collider? You're gonna love this. Dimension opening now. You're like me. That's impossible. All right, kid, listen up. This fry is your universe. Soggy, it's weird, it's gross. And this delicious normal fry is my universe. Huh? So you want to learn to be Spider-Man? Can you teach me? Yes, I can. Time to swing. Ah! Good, doing you're doing it. Double tap to release and whip it out again. Okay. Swip. And release. You're a natural. Swip. Hey, guys. Who are you? Woo. I'm Gwen Stacy. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weird. No. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? We need to get back to our universes soon. Brooklyn is going to collapse. My family lives in Brooklyn. Whoa. Miles, what's wrong? This was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different? Let's go. Is what makes you Spider-Man. Officer, I love you. Wait, what? That way. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. Alors, par contre, juste vite fait, et ce sera la seule remarque négative de cette bande-annonce, faut vraiment qu'ils arrêtent avec les trucs du style « quand il y a un noir, faut absolument que je le mette avec une panthère » ou avec un lion ou ce genre de conneries. Vraiment, faut arrêter ce genre de truc parce que ça sert à rien du tout. En tout cas, sinon, alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a un effet de ouf. Ils ont mis le... comment dire
Ils ont mis le. En fait, chaque personnage a son animation, en fait. Je sais pas si vous avez vu, c'est que le petit. Alors, le petit Spider-Man en cochon existe vraiment, pour de vrai. Enfin, pour de vrai. Pour de vrai, il a un comics, un dessin animé et tout ça. Et. Il a vraiment son animation, en fait. Je sais pas si vous voyez là, son animation cartoon et tout ça. Par contre, Peter, ils l'ont fait un peu beaucoup vieux. Un peu beaucoup, même passionnément vieux. Celui qui était en noir et blanc, c'est le Spider-Man de 1930, je crois. Ouais, c'est ça, de 1930. On a aussi le Spider-Man. Donc, on a Spider-Gwen, donc Gwen Stacy. Gwen Stacy, c'est la fille qu'on peut aussi retrouver dans The Amazing Spider-Man, donc dans le 1 et le 2. Donc, on a Gwen Stacy qui est aussi une Spider-Man dans un des dérivés niveau comics. Et on a l'autre, alors la Spider-Man qui a son robot, elle par contre, c'est la seule dont je n'ai jamais entendu parler. Je sais pas trop de quelle dimension elle sort. En tout cas, non, non, clairement, il y a un effort de fou. C'est original de fou. Maintenant, le souci, c'est que je sais pas trop comment. Quoique, Sony avec ça pourrait lancer un genre d'univers partagé, mais dessin animé en fait. Un genre d'univers partagé qui sortirait au cinéma, mais en mode. Ouais, comme les Disney en fait. Sauf que les Disney, c'est pas un univers partagé, mais eux, ils pourraient faire un univers partagé. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Autour des Spider-Man, plusieurs Spider-Man, au pire, chacun qui peut avoir son film, etc. Ça serait cool. En tout cas, non, non, franchement, il y aurait un paquet de choses à dire. Et ouais, non, clairement, je pense que en allant voir ce truc-là, vous allez en fait, de 1, découvrir bah, plusieurs Spider-Man, découvrir effectivement plusieurs Spider-Man en même temps. Et ouais, découvrir du coup le monde de chacun, forcément. Et ouais, non, non, je pense que ça peut être cool, ça peut être un truc cool à voir. Stellosters. Je sais que vous aimez bien ces petites bandes annonces quand même de temps en temps, histoire de souffler entre deux phases de rap. Stellosters. Tchuss, prenez soin de vous.